We'll be right back.
bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la présentation, enfin plutôt l'explication de ce petit système. Alors oui, ça m'a pris pas mal de temps à faire, mais je trouvais vraiment le concept super sympa. Surtout qu'après la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais déjà fait un système comme ça, et en fait je me suis rendu compte qu'il manquait notamment la recharge du blé. Car une fois qu'on avait plus de blé, une fois qu'on avait fait un certain nombre de tours, bah, il fallait revenir sur le PC et donc, du coup reprendre du blé. Et donc là, cette fois-ci, j'ai décidé justement de rajouter un petit distributeur à blé automatique pour qu'on puisse faire des tours à l'infini, comme c'est une reproduction infinie. Et donc ça, j'ai trouvé vachement le concept vachement sympa. Surtout qu'en plus, maintenant, on n'est plus guidé par de l'eau, mais guidé par des rails. Alors déjà, ça évite de nombreux bugs, hein. La reproduction est plus facile, et surtout, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Parce qu'avec la flotte, c'est vrai qu'on était entraîné, c'était assez lentement. C'était assez lent. Et là en plus, ce que j'adore dans le petit système, c'est que j'ai rajouté le petit mode de cuisson, genre cru ou grillé, etc. Et les différents boutons, la petite interface, je la trouve vachement sympa. Surtout qu'ils ont rajouté les petits trucs là, je trouve que c'est super design. Je sais pas exactement ce que c'est, un truc de laine ou je sais pas quoi. Et en fait, je vous ai pas montré à quoi servait en fait cette sorte de petite porte, mais en fait, elle sert uniquement à vérifier en fait directement s'il y a encore du blé dans le dispenser. Car normalement, il faudrait retourner sur. Enfin, il faudrait aller sur le rail et vérifier à chaque fois, donc ça évite ça en fait. C'est juste, c'est aussi par principe de design, hein. C'est rien de très compliqué. Et sinon, le système en lui-même, ça va, il est plutôt entre guillemets compact pour ce que c'est, quoi. C'est voilà quoi. Et juste une petite, encore juste avant les explications du système, une petite remarque à faire. Je ne critique pas les autres personnes justement qui ont fait des usines à vaches que j'avais présenté dans ma sorte de petite introduction. Mais en fait, c'est une usine différente qui convient à des usages différents. Donc en fait, celle que j'avais présentée, donc on a un sort de, comme par exemple celle de Zephyr, hein, qu'elle a faite, ou celle d'Hyper. Bref, ça consiste en fait en une case comme ça. Donc vous n'avez pas plein d'enclos comme ça là-dessus. Vous avez juste cette petite case. Donc bien sûr, l'usine est beaucoup plus compacte, hein. Et en fait, les petites vaches sautillent et vous nourrissez le blé, vous cassez. Donc une fois que ça reproduit les gosses, hein, enfin les veaux, vous cassez et vous revenez sur la machine pour justement constater que la viande est grillée et il faut renourrir. Et en fait, ce principe là est vachement bien foutu, ça c'est justement pour la survie. Mais le problème, c'est que ça produit pas à masse de steak, quoi. Et donc dans le cas d'un serveur où la nourriture devrait venir en quantité abondante, ce système là est beaucoup plus automatique, beaucoup plus, on va dire, nécessaire, enfin est beaucoup plus rentable. Donc pourquoi avoir créé en fait ces petits stocks de vaches? On aurait dû me dire on aurait pu en faire que un et faire une boucle. Sauf que le problème, c'est qu'à partir d'un certain nombre de blé qu'on donne aux vaches, elles arrivent à saturation. Donc je sais plus exactement c'est quoi le temps, mais à partir quand deux vaches se sont accouplées, elles peuvent pas se raccoupler directement après. Et en fait, le temps justement qu'elles puissent de nouveau se raccoupler, c'est le temps en général qu'on fasse un tour de circuit entier. Donc en fait, c'est pour ça que la boucle se répète et que finalement les vaches, elles peuvent se reproduire, donc du coup à l'infini avec ce système. Et alors, enfin, ça explique la quantité de steak énorme qu'on a. Alors tout d'abord, donc nous allons commencer. Donc si vous êtes là, je pense que si vous êtes, c'est parce que vous êtes un peu intéressé par le circuit, par le système en lui-même. Donc en fait, tout se passe comme ça. Donc on vous l'avez remarqué, hein, on se fait lancer par le petit mancart. Et en fait, ici on a des rail boosters à chaque fois qui vont nous arrêter justement les vaches. Donc on est dans une position optimale pour les nourrir. On est ici comme ça et on va donner le blé aux petites vaches qui sautillent. On est vraiment, c'est fait exprès. Et en fait, le timer, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois, toutes les je sais plus combien de secondes, je crois 45, je crois quelque chose comme ça, ça va donner une impulsion à tous les rail boosters. Donc du coup, le petit mancart qui était là, une fois que vous avez fini de nourrir vos vaches, hop, il va s'activer et le mancart va partir et hop. Et va partir sur le rail booster suivant, et etc, et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a fini le premier tour, on revient à la position de départ, hop, et on active en fait ce détecteur rail. Ce détecteur rail, lui, va envoyer une petite impulsion aussi, hop, par le biais du petit slime block. Et ici, il va envoyer sur la partie en bas, en fait. Alors si, enfin, le système n'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a énormément de repeaters en fait, c'était juste pour la boucle avec la flotte, parce que les vaches mettent pas mal de temps à noyer. Et alors du coup, le courant arrive ici, ça envoie une impulsion et ça se partage en deux circuits différents. Donc
soit le circuit il est pour la viande grillée, dans aucun cas ce piston est en position étendue. Donc du coup le courant va passer à travers ce bloc. Oups, je me fais mal. Voilà. Dans ce cas-là, le courant va passer à travers ce bloc et donc, du coup celui-là il est distendu et donc du coup le courant peut pas passer. Et donc en fait c'est un sort de sélecteur de chemin. C'est-à-dire que si on active le mode grillé, il y a le chemin, le courant va passer par le chemin où ça va activer les dispensers contenant de la lave. Ceci. Et s'il va passer par l'autre chemin, ça va activer les dispensers contenant de l'eau. Voilà, donc c'est tout simple. Et les voies ensuite sont enfermées dans une petite case de 1x1. Donc le, voilà, là, il y a tellement de machins, regardez, ça me repousse complètement. Je sais pas combien il y en a. Entité 54, ça. 54 petits veaux. À savoir qu'une vache donne à peu près 3 steaks, donc il faudrait faire 50 x 3. Donc à peu près, ça ferait dans les 200 steaks. Ouais. Donc vous voyez, ça fait quand même vraiment beaucoup de viande quoi. Et je peux vous dire que si vous restez sur la machine une bonne heure AFK, ça produit pas mal. Franchement, ça produit vraiment pas mal. Bon, bien sûr, la machine elle peut être beaucoup plus grande. Hein. Vous pouvez la rallonger, etc. Il y a aucun souci. Et même augmenter les vaches ici à chaque fois dans chaque enclos, justement pour avoir encore plus de veaux. Alors, moi j'ai évité d'en mettre plein parce que, en fait, sinon je vais laguer comme pas possible. La vidéo aurait été imprésentable. Mais ouais, vous pouvez très bien mettre chaque fois 15 vaches dans chaque truc et au final vous vous retrouvez avec 200 vaches par dans toute la machine et la reproduction là, oui, vous aurez une vingtaine de veaux par truc. Hein. Donc, ça c'est vachement sympa. Et alors, en fait, juste du coup pour vous dire, voilà, hein, c'est juste ça. Le petit système de distribution de blé que je trouve vraiment sympa. Donc, en fait, on descend ici cette petite côte et en activant en fait ce ray détecteur ici, ça va envoyer une impulsion à une sorte de petite mémoire à piston. Donc, c'est à dire que ça envoie une impulsion lactique, ce qui va avoir pour effet d'étendre ce bloc de redstone ici. Et en même temps, ça va envoyer du courant par en dessous. Et pendant un certain délai, donc c'est le temps que ça distribue exactement 40 blés, donc ça c'est pour mon cas, hein, parce qu'il y a je crois 4 vaches par enclos, donc il y a à peu près 40 blés. Le courant revient, hop, tac tac, ça renvoie une impulsion, et en fait ça va réactiver ce petit piston. Donc, en fait ça fait une sorte de petite boucle à mémoire, et donc du coup ça stoppe la distribution automatique de blé ici. Et ça, bien sûr, ça active le ray booster pour qu'on puisse repartir. Voilà, donc c'est vraiment, de toute façon, je mettrai la map en téléchargement. Et vous pourrez bien, enfin, vous pourrez voir par vous-même, ici, c'est que des petits ascenseurs pour faire monter la boucle jusqu'au coffre. Bien sûr, avant de faire ça, j'ai vraiment une vision dégueulasse, je vais augmenter. Avant de faire ce petit système, j'ai créé une version beaucoup plus grande, donc, comme vous le voyez ici. Alors là c'est complètement dingue, hein. là on est sur du serveur où il y a, je sais pas, 500 personnes dessus, vraiment facile. Vous voyez la quantité de, je sais plus combien il y a de trucs là, je crois qu'il y en a 20 ici et 20 là, ou je sais plus, bref, il y a vraiment énormément de steaks qui sont produits avec la machine. Alors bien sûr vous voyez que vous pouvez l'agrandir autant que possible, hein. Alors là par contre, le seul défaut c'est que du coup il y a deux machines à dispenser à blé, donc une ici et une ici. Car effectivement en fait, on va dire en un circuit, vous aurez niqué en fait le stack entier de blé en fait. Donc du coup il faut recharger aussi à l'autre bout de chemin pour faire le retour. Donc ça par contre ça use deux fois plus de blé, mais comme ça use deux fois plus de blé, on a deux fois plus de ressources. Voilà les canaux énormes qui conduisent tous ici à la petite boucherie. Pareil, où les veaux sont entassés, enfin bref, c'est vraiment un système vraiment sympa. C'est exactement le même principe, hein, avec les petits rails, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Bon, là, bien sûr, le système là, il est pas fini. Hein. Hop. Alors, là, j'ai pas utilisé beaucoup. Je crois que j'ai utilisé même pas 10 minutes. À tout casser, mais ça qui est vraiment énorme, c'est que vous avez vraiment rien à faire, et ça, c'est vraiment, vraiment super sympa. Vous laissez un petit objet sur votre souris. Ah, et vous revenez une petite demi-heure, comme vous avez rien à foutre sur le serveur, bah au moins vous servez à quelque chose. Vous restez là à faire produire des steaks par la machine et ça c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que tout simplement vous aurez aimé ce système. Vous aurez pensé peut-être à mettre un petit like, ce serait sympa. Parce que ça demande quand même pas mal de boulot et je trouvais quand même que le principe était sympa pour être présenté. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà à peu près 8000 sur ma chaîne, donc ça c'est vraiment cool.
Franchement, je fais pas des vidéos en plus super souvent, mais bon, en général, quand je présente des petits systèmes, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient assez originaux et voilà, en fait, j'aime bien jouer quand je veux, en fait. Donc c'est à peu près ça. Donc voilà, sur ce, bah à une prochaine, hein, et à tout de suite. Ciao.